Konnichiwa. Je suis vraiment très heureux, c'est un honneur pour moi de commenter ce vin. Juste derrière le même vin, derrière un sommelier japonais, c'est la qualité de la sommellerie japonaise. It's an honor for me to comment this wine, especially after best sommelier of Japan. So he has already said a lot of things, so I'm going to make my commentaries. So this wine is a blend of 60% of Shiraz and 40% of Touré International. So we are a little bit in Porto, it's a fortified wine. He comes from Barossa Valley. And he's been 12 months in old hogs before water. So it's 97, so it's not a very young wine. Alors ce vin, c'est un vin qui est 60% de Syrah, donc un cépage qui est inventé depuis très longtemps maintenant, même si chez nous dans la vallée du Rhône, c'est le grand cépage. 40% de Touriga National, qui est aussi le grand cépage du Porto, c'est un vin muté. Voilà, donc il a fait 12 mois en vieux fût, en tonneau, avant d'être mis en bouteille, on est sur les qualités d'un vin d'une certaine évolution. Alors, la couleur de ce vin est une couleur brique, un reflet vermillon, synonyme d'évolution pour nous, un petit peu orangé. Le nez est puissant et vineux, on sent un caractère de vin très marqué. Il y a des notes de chocolat, légèrement épicé, il a parlé de réglisse, un réglisse très concentré, parce que c'est un nez très concentré, ça fait penser aux Andes. Moi je trouve un côté légèrement épicé, et puis des fruits rouges aussi, surtout quand on le sert en verre, parce qu'il est bien frais. Et puis une petite touche d'orange confite. Alors, the color of this wine is a brick color, with some reflexed orange, bronze, which give us an idea of wine already in evolution. The nose is very powerful. We feel the character of the wine with the alcohol, but the alcohol is very well balanced. We feel some chocolate, very concentrated chocolate, a prune. Forget the pruneau. We feel also the concentrated licorice. We call the licorice, but like we call that in France, zan, something you can hit very hard, very concentrated licorice. That is spicy, and for me, orange peel, you know, candied orange peel. Alors la mise en bouche de ce vin est. On a tout de suite une impression de netteté et d'élégance. On est sur un caractère soyeux, lisse, très satiné. On a une impression d'un vin qui a une certaine générosité, puisque c'est un vin muté, mais en même temps, on a une certaine délicatesse avec le caractère de vin qui ressort et la fraîcheur. C'est un vin qui laisse parler. Il y a une très belle équilibre entre l'alcool, même si on est sur un vin généreux. Il y a des sucres qui sont très digestes, très intégré à la structure du vin, et le caractère de vin ressort. On ne part pas sur quelque chose de trop sucré, puisque même sur la fin de bouche, on avait une impression tannique qui est là, qui donne un caractère très ferme et très serré, avec une très grande longueur. On retrouve justement ces caractères épicés, généreux. Voilà, c'est un vin que moi j'ai trouvé intéressant sur le chocolat. J'irais même sur un chocolat un petit peu plus soutenu. J'irais bien mettre ça sur des desserts au café. Si je mettais un dessert orange, un dessert chocolat, ça serait chocolat et orange. Je pourrais mettre ça sur un foie gras poêlé avec la réduction de ce vin. Je pourrais mettre ça sur un canard, si on est sur du gibier. Un canard avec des cerises, des érèdes. J'irais aussi, évidemment, sur un fromage à la pâte persillée. Stilton, si on était en Angleterre, fourmand vert ou roquefort. C'est un vin qui est encore jeune, un certain avenir, il me semble, même si on a quelques touches d'évolution. Je lui vois tranquillement encore 10-15 ans de vie, avec une maturité, je suppose, et ça c'est personnel, 7-8 ans d'âge. Mais c'est intéressant en mangeant là maintenant, parce que le caractère tannique et vineux, justement, sera intéressant dans la fonte d'un
chocolat avec ma mère. When you put this wine on in your mouth, straight away you feel the wine very silky, very elegant, very, very smooth and very clean taste. It's a very powerful wine. The alcohol is very integrated, even if you can feel the alcohol of this wine because it's a fortified wine. You feel the evolution of this wine. You have a very well balance between the structure of this wine and the sugar. They are not heavy sugar, not too sweet. And the finish is a little bit crispy because you can still can feel that there is some tannin and you can feel it's a wine. It's not only fortified or sweet. I will put this wine. It goes very well with the chocolate that we had for the dessert. I will put even a chocolate more concentrated, a little bit bitter. As I feel also there is some orange peel, we could put a chocolate and orange flavor in the dessert. It could be with a goose liver, fresh goose liver, with a sauce reduction of this wine. I think that would be easier. Food and match. I will put on, of course, blue cheese, like Stilton if you are in England, or in France, Roquefort or Fondambert. I will put this wine also, I will be, like he has a character of wine, I will go even on a duck, you know, a breast of duck, with concentrated salt, even a little bit sweet, with some black currants or cranberries, you know, the red fruits. I think that would be a good food and match. For me, this wine is good now. If you eat something, the maturity is not already arrived for me in another 6-7 years. And I think it's going to go for 10 or 15 years, but this is my opinion. Thank you, Bruno. So that ends a little discovery around